Generation Soccer. Conditions météorologiques, la pelouse est en piteux état. Fans de foot, bonsoir et bienvenue, ici Edgar Bureau. Avec moi pour analyser ce match, j'ai le plaisir d'accueillir Gérard Perron. Bonsoir à tous, merci de nous avoir choisis pour suivre ce match. Nous vous proposons aujourd'hui un match exhibition. La France contre la Norvège est la rencontre d'aujourd'hui. Et voici les Bleus. Jetons un coup d'œil à la composition des équipes. Tout d'abord, la France, et maintenant, la Norvège. Coup d'envoi est imminent. L'équipe jouant de gauche à droite est la France et jouant de droite à gauche est la Norvège. Excellente technique. Peut se créer une occasion. C'est bien joué. Et il marque. Un véritable chef-d'œuvre réalisé par un artiste. Revoyons ces images au ralenti. Il tente sa chance. Beau tacle défensif. Et il n'est pas hors jeu. Deuxième poteau. Faute sans aucun doute. Et c'est un pénalty qui risque de relancer le match. Et qui marque au but. Félix. Revoyons ces images au ralenti. La balle est interceptée. Oui, les attaquants ne sont pas encore rentrés dans la partie. Il renvoie au centre.
de la tête. On se dit pas but ! Un but imparable. Oh, joli dribble. Il remet au centre. Oh, il lui remet tout de suite. Un superbe contrôle dans un espace très réduit. Le gardien s'engage. Avec la tête. On joue depuis 25 minutes dans cette première mi-temps. Oh non, c'est à côté. Quel gâchis, il ne devrait pas manquer une occasion pareille. Avec la tête. Bien défendu. Et il dégage son équipe. En jeu. Il tire. Et le ballon est en train de filer, c'est le but. Une superbe action qui se solde par un but mérité. La France revient à égalité. Jetons un coup d'œil au ralenti. Il tente le tir. Joueur extrêmement vif. Non, il peut attaquer. Ou un dégagement musclé. Il est démarqué. C'est une touche. Il cherche un partenaire. Oh, joli dribble. Maintenant, il faut attaquer. Et c'est un centre. Et il tente de récupérer. Corner. C'est une occasion dangereuse. Avec la tête. Tire. Erreur du gardien. Fin de la première mi-temps. C'est le moment d'analyser le match.
coup d'envoi de la deuxième période est donné. Attention au choc aérien. Oh, un beau tacle défensif. C'est joli. Il centre en hauteur. Attention au choc aérien. Il tire. Et c'est directement sur le gardien. Passe de la tête. Et la balle est interceptée. Oui, les attaquants ne sont pas encore rentrés dans la partie. Il va la récupérer. Il vise le deuxième poteau. Super! Un but absolument incroyable! Le banc touche exulte! La France renverse le cours du match. Ce but change toutes les données de la rencontre. Revoyons ces images au ralenti. Joueur extrêmement vif. Attention! Il passe de la tête. C'est bien défendu. Et le gardien est là. Il passe le ballon. Il n'y a pas hors-jeu. Au centre. Il passe de la tête. Attention. Il joue la touche. Et il y a du mouvement sur le banc. Nous pourrions assister à un changement très bientôt. Et c'est une faute. Et nous assistons à un remplacement. Gérard, vous pensez qu'il pourrait marquer dans cette position? Avec ce joueur, Edgar, il faut s'attendre à tout. Il n'est pas hors jeu. Il cherche le deuxième poteau. Et c'est une sortie. Oh, le public a bien cru qu'il y avait but. En hauteur. Il tente un dribble. Oh, un dégagement musclé. Attention, c'est une occasion. Il va la récupérer. Et ils obtiennent.
prennent un corner. Ballon en hauteur. La balle est en hauteur. Il joue avec la tête. Quelle passe! Oh, il a complètement raté sa passe. Oui, je ne vois pas trop ce qu'il cherchait à faire. Bonne interception. L'arbitre siffle la faute. Autant dire que le public n'apprécie pas. C'est vrai, ce genre de geste. Attention au choc aérien. Oh, joli dribble. Il shoot. Il a raté sa frappe. La balle est en hauteur. La défense fait le forcing. Il joue la touche. Maintenant, il faut attaquer. La bataille est âpre pour la possession du ballon. Ce sera un corner. C'est une occasion dangereuse. Vise le deuxième poteau. Ballon en hauteur. La France s'accroche à la victoire finale malgré des moments difficiles. Alors Gérard, quelle est votre analyse de cette rencontre? Un grand match sans aucun doute. Les deux formations auraient mérité la victoire. Absolument. Merci Gérard. Malheureusement, il est l'heure pour nous de nous quitter. Ici Edgar Bureau. Merci à Gérard Perron d'avoir suivi ce match avec nous. Merci à vous.